Bonsoir à tous et bienvenue, je suis Christophe Piton, responsable des réseaux sociaux de l'AFM Téléthon. Bienvenue pour ce grand live spécial lancement de la campagne Téléthon 2023. Ce soir, pour vous accompagner et pour découvrir ensemble les visages qui vont incarner cette campagne du Téléthon 2023, je serai accompagné de Pascal Husson et Florence Robillot, des professionnels de l'accompagnement des familles à l'AFM Téléthon. Bonsoir mesdames. Bonsoir Christophe. Et je serai également accompagné, nous serons également accompagnés de Serge Braun, notre directeur scientifique. Bonsoir Serge. Bonsoir Christophe. Aujourd'hui, nous serons également accompagnés par Oussama à la réalisation de ce grand live et par Cécile à la modération. Cécile qui d'ailleurs, sans plus attendre, va vous expliquer comment vous pouvez poser vos questions à nos invités pendant, elles seront posées donc pendant les dernières minutes de ce live. Bonsoir à tous les deux et bonsoir Cécile. Bonsoir Christophe. Donc pour poser vos questions, c'est très simple. Rendez-vous dans la section commentaires du live Facebook juste en dessous de la vidéo. Si vos questions concernent des maladies neuromusculaires, je vous rappelle que vous pouvez contacter nos équipes, donc la ligne Accueil Famille au 0800 35 36 37 ou sur notre site afm-téléthon.fr dans la rubrique Vivre avec la maladie. Si votre question concerne plutôt une maladie rare, nous vous invitons à vous mettre en relation avec la plateforme Maladie Rare Infoservice au 01 56 53 81 36 ou encore sur maladierareinfo.org. Bon live à tous. Merci Cécile. Alors je vous propose de découvrir sans plus attendre les familles ambassadrices de ce Téléthon. Et Florence, c'est toi qui vas nous présenter Ibrahima qui nous dit « Si je marche, c'est grâce à vous. Le Téléthon a changé ma vie. » Est-ce que tu peux nous présenter l'histoire de ce petit garçon ? Avec plaisir Christophe. Donc Ibrahima, cette année, ce sera notre plus jeune ambassadeur. Et lui, il a vraiment une histoire, mais juste incroyable. Il est atteint d'une amyotrophie spinale, mais... Il a 2 ans, mais lui, il marche, il saute, il court et il danse même. On peut dire que c'est un petit garçon comme les autres. Lui, il fait partie des 3000 enfants dans le monde qui ont pu bénéficier de la thérapie génique pour l'amyotrophie spinale. La thérapie génique utilisée par les technologies développées à Généthon. Grâce à cela, grâce à vous, ça a changé complètement son destin. Sa maman, Flavia, connaît très très bien la maladie qui est au sein de la famille parce qu'elle a sa petite nièce, Laïla, qui a 13 ans, qui en est atteinte. Quand elle tombe enceinte, vraiment, c'est inattendu. Elle connaît pas du tout son... elle connaît pas du tout sa situation génétique. Et de là, avec son compagnon, donc Abbas, qui est le papa... il se lance dans une recherche génétique. Malheureusement, rapidement, les médecins leur apprennent que l'enfant qu'elle porte est atteint de l'amyotrophie spinale et qu'à ce jour, on peut leur proposer des solutions. En revanche, Ibrahima n'est pas éligible à la thérapie génique. D'accord. Et puis, dès la naissance d'Ibrahima, donc au mois de février 2021, les médecins finalement convoquent les parents 2 jours après et leur annonce le Saint Graal, c'est-à-dire que Ibrahima peut bénéficier de la thérapie génique parce que les critères d'inclusion ont totalement changé. D'accord. Rapidement, tout se met en place. Ibrahima se fait injecter le traitement. Au début, vu qu'il est tout petit, finalement, ses parents se rendent pas compte de changement. Et puis, c'est vers 5 mois à peu près que Flavia et Abbas, ils observent qu'Ibrahima, il passe du dos au ventre. Puis quelques semaines après, il se met gentiment à ramper. Et puis après, il passe aux 4 pattes. Et puis à 11 mois, c'est naturellement qu'il marche, en fait. Donc voilà. Et puis, ses parents, eux, se disent vraiment chaque jour qu'ils ont une chance incroyable d'avoir pu bénéficier de ce traitement-là qui a fait que la maladie n'apparaisse pas. Et eux, leur plus grand souhait, c'est que tous les enfants, puissent en bénéficier. C'est très clair. Merci Florence de nous avoir permis de faire connaissance avec Ibrahima. Serge, c'est une véritable victoire. Est-ce qu'on peut parler de révolution ? On peut, oui Christophe, parler de révolution.
Il y a encore quelques années, ces solutions-là étaient plus du domaine du rêve, même si on y travaillait évidemment, mais plus du rêve que de la réalité. Aujourd'hui, c'est une réalité. Se dire qu'une maladie neuromusculaire qui détruit, là en l'occurrence, les nerfs qui commandent les muscles, qui paralysent, qui tuent, la moitié des enfants malheureusement vont décéder avant l'âge de 2 ans de cette maladie, eh bien on peut la traiter, on peut changer le cours de la maladie par une simple injection. Et ensuite, le produit fait son œuvre, la thérapie génique fait son œuvre, et cet enfant se développe normalement parce qu'il a été traité très tôt. Ibrahima a eu cette chance de pouvoir être traité tout de suite après la naissance, ce qui n'est pas encore automatique aujourd'hui en France, malheureusement, mais on y travaille très fortement. Il y a une étude pilote qui... est effectué à la fois dans le Grand Est et en Nouvelle-Aquitaine, qui consiste à proposer aux parents, aux futurs parents, ou au moment de la naissance, de réaliser le dépistage de cette maladie, qui ne fait pas partie des maladies qu'on dépiste systématiquement à la naissance, pas encore. Et les familles qui l'acceptent font ce dépistage. Et si l'enfant est touché, ce qui a été le cas d'Ibrahima, on peut lui proposer maintenant un traitement. Ça, c'est une vraie révolution. Mais c'est une révolution qu'il faut généraliser. Donc cette étude pilote, il faut que très vite elle puisse se généraliser pour toute la France. Et une étude pilote qui a été initiée par la FM Téléthon. Il a fallu se résoudre à ça parce que sinon on n'en irait pas assez vite. Malheureusement, on a en France beaucoup de freins administratifs et d'autres types de freins. Donc il a fallu réaliser cette étude. Et cette étude commence à porter ses fruits parce qu'il y a des diagnostics qui sont faits à la naissance et donc des traitements qui peuvent être proposés. Ça, c'est une chance. Et on parlait de révolution, mais c'est une vraie révolution et ça va se produire pour plein d'autres maladies parce qu'il y a plein d'autres... produits qui sont en essai clinique, qui ne sont pas encore des médicaments enregistrés, mais qui le deviendront dans les prochains temps, et pour lesquels, là aussi, si on intervient tôt, on a plus de chances d'être efficace, et donc là aussi, il faudra proposer. Donc c'est une histoire qui va se répéter, se multiplier. Et on va y revenir, Serge, sur le lien entre le dépistage et le diagnostic et les traitements disponibles. Pascal, comme celle d'Ibrahima, l'histoire de Kelly illustre également les progrès de la recherche. Est-ce que tu veux bien nous la présenter, s'il te plaît? Tout à fait. Donc Kelly, qui est une jeune et belle ado de 15 ans, illustre cette maladie rare du foie qu'on appelle la maladie de Crigler-Najjar, pour lequel il y a un essai de thérapie génique à débuter, avec pour le moment des premiers résultats qui sont très encourageants et assez concluants. Kelly, en fait, on se rend compte dès la naissance qu'elle a quelque chose qui ne va pas comme il faudrait. Elle présente, comme beaucoup d'enfants et de bébés, une jaunisse qui malheureusement ne disparaît pas, comme c'est normalement le cas pour les nouveau-nés. À l'âge de 8 mois, cette jaunisse est toujours présente. Alors évidemment, dans ces cas-là, il y a tout un tas d'examens qui s'enclenchent et qui vont malheureusement aboutir à la pose d'un diagnostic de cette maladie de Crigler-Najjar. Je pense que Serge en expliquera un petit peu plus la maladie, mais en gros, c'est un dysfonctionnement d'une enzyme qui est censée réguler une protéine, merci, qui s'appelle la bilirubine. Et dans ces cas-là, quand cette bilirubine n'est pas bien digérée, entre guillemets, ça peut entraîner des sévères conséquences. Graves conséquences neurologiques qui peuvent aussi malheureusement amener les gens à tomber dans le coma et voire à mourir de cette maladie. Donc effectivement, il y a urgence par rapport à cette maladie. Et la seule chose que l'on peut mettre en place pour faire baisser ce fameux taux de bilirubine, c'est de mettre en place de la photothérapie. Photothérapie, c'est être mis sous des lampes bleues chaque nuit, pendant très longtemps, entre 10 à 12 heures par nuit, ce qui est le cas pour Kelly, ce qui a été longtemps le cas pour Kelly. Évidemment, forcément, ça change toute la vie
de la famille. Vous vous apercevez, je crois, à l'écran ses parents. Oui, on la voit. Ouais. Donc Katia, la maman, avec Rodrigue, et Laïla et Mathieu, les frères et sœurs de Kelly. Ça change la vie de la famille parce que, eh bien, ça veut dire qu'il faut surveiller Kelly en permanence. Il faut vérifier que ce taux ne monte pas trop. Si ça monte trop, il faut faire un peu plus de photothérapie la nuit. Ça contraint, au fur et à mesure où on grandit, une petite jeune fille, puis une grande fille, à devoir, ne pas faire de soirée pyjama comme les copines, parce que, il faut respecter ces 10 à 12 heures de photothérapie chaque nuit. Ça veut dire que partir en voyage, c'est compliqué parce que les lampes, ça prend de la place, c'est lourd, c'est encombrant. C'est tout un avenir qui est remis en cause parce qu'on peut pas forcément aller faire le métier on imaginait parce que c'est pas forcément compatible avec cette contrainte de photothérapie. Pour autant, comme vous le voyez, Kelly, c'est une ado super souriante qui est un petit peu rebelle. Comme les jeunes de son âge. C'est une ado. Une ado de 15 ans, tout simplement. Kelly, forcément, à 15 ans, elle a appris à vivre avec toutes ses contraintes. Alors elle fait avec. Pour autant, elle voudrait bien que ça change quand même. Ça serait chouette. Parce que ça continue malgré tout à l'empoisonner dans la vie. Parce que là, elle a fait sa rentrée dans un établissement pour faire une formation en service soins à la personne. Elle doit aller en internat parce que l'établissement est un petit peu loin de chez elle. Et ça a été pas très facile de pouvoir être accueillie dans l'établissement avec tout ce matériel. Donc si demain... elle pouvait être amenée à bénéficier de ce traitement de thérapie génique, ça serait super pour elle. Bien, merci Pascal. Serge, est-ce qu'on peut dire un mot sur la maladie de Kelly, le syndrome de Crigler-Najjar? Mais en fait, Pascal a très bien expliqué ce qui va me permettre d'éviter de prendre trop de temps. Par contre, d'expliquer pourquoi aujourd'hui elle ne peut pas bénéficier de cette thérapie génique et ce qui est actuellement... mis en place en termes de recherche pour répondre à ce problème. La thérapie génique souvent repose sur l'utilisation d'une forme de virus que l'on reconstitue et qui va être le transporteur du gène thérapeutique. Là, en l'occurrence, il faut faire baisser la bilirubine avec ce gène et c'est vraiment l'indicateur, le taux de bilirubine dans le sang. Et on sait maintenant, au travers de l'essai de thérapie génique, que ça peut fonctionner. On peut faire baisser la bilirubine en dessous du niveau qui peut se révéler toxique. Et les malades peuvent se passer de la photothérapie. Donc c'est une vie normale qui s'offre à eux. Mais il y a une condition, il ne faut pas avoir développé d'anticorps contre ce transporteur qui dérive de virus qu'on trouve dans la nature. Donc on peut avoir été exposé à ce virus. Et si on a été exposé préalablement à ce virus, la thérapie génique ne va pas marcher. C'est un peu comme un vaccin qu'on aura. D'accord. On sera vacciné. Et les recherches aujourd'hui, notamment celles qui sont développées dans l'équipe à Généton qui a mis au point cette thérapie génique, visent à réprimer le système immunitaire vis-à-vis de ce vecteur pour faire en sorte qu'on puisse réadministrer. Et c'est une approche très originale qui a fait ses preuves dans les modèles expérimentaux et qu'il faut maintenant pouvoir transposer aux humains. Et donc c'est l'objet des mois et qui viennent, c'est de pouvoir faire en sorte que même Kelly puisse bénéficier de cette thérapie génique demain. Et on a de bonnes raisons de penser que ça devrait être possible. Ouais. Et on l'a vu au travers de l'histoire d'Ibrahima et de Kelly. Donc il y a une approche de thérapie génique pour des maladies neuromusculaires. On l'a vu, l'amyotrophie spinale. Pour une maladie rare du foie, qui n'est donc pas neuromusculaire. Donc la thérapie génique, aujourd'hui, relève plusieurs défis dans différents domaines de la maladie. Est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus, Serge? Et en fait, il y a actuellement une quarantaine d'essais cliniques dans 35 maladies différentes. Beaucoup sont des essais de thérapie génique. Hein. Et ce qu'on ne savait pas faire il y a encore quelques années, délivrer des gènes de manière efficace dans une masse importante de l'organisme,
que sont les muscles, c'est la moitié de la masse de l'organisme pratiquement. Dans le système nerveux, on ne savait pas trop comment y arriver, on y arrive. On peut arriver, enfin, on arrive à cibler plein de tissus et d'organes, donc ça ouvre beaucoup de possibilités. Et maintenant, il faut pouvoir multiplier non seulement les essais, mais les médicaments. Donc ça, c'est les défis aussi de demain. Et il y a plein de maladies qui sont éligibles à la thérapie génique. En fait, je connais pas de maladie qui ne le soit pas en réalité. Et au passage, ces recherches-là, ces avancées-là, ouvrent aussi le champ pour des maladies dites fréquentes. Hein. Oui. Et ça, c'est ce qu'on répète souvent au moment du Téléthon, et c'est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, 60% des essais thérapie génique sont des essais dans le cancer. D'accord. Et utilisant des technologies qui avaient été mises au point pour les bébés bulles, maladies du système immunitaire, maladies génétiques sévères, et pour lesquelles il y a des traitements qui guérissent les enfants, qui deviennent des adultes et qui mènent une vie normale. Et c'est ces mêmes technologies-là qui maintenant sont exploitées pour traiter des cancers. C'est pas le Téléthon, on n'est pas sur le champ du cancer, mais on a permis l'émergence de techniques, de méthodes qui ouvrent le champ pour des maladies fréquentes. Et quand on parle aussi de maladies neurologiques, je pourrais multiplier les exemples, mais voilà, ça illustre bien, je pense, le rôle clé que joue le Téléthon, qu'on joue tous collectivement, depuis les crêpes et les ballons jusqu'au laboratoire. Et ça, on y reviendra très longuement dans le prochain Téléthon, les 8 et 9 décembre, sur les antennes de France Télévisions. Avant de faire connaissance avec une troisième famille, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans les commentaires de ce live sur Facebook. Et notre amie Cécile s'en fera la porte-parole à la fin de ce direct. Nous allons désormais faire connaissance avec Léon. Et grâce à toi, chère Florence, pour Léon, comme pour de nombreux malades qui sont encore sans traitement, l'urgence est là. Et Florence, peux-tu nous raconter l'histoire de ce jeune garçon qui nous dit ceci, et vous le voyez sur l'affiche, en tout cas elle va s'afficher dans quelques instants, l'affiche de Léon, voilà, il nous dit « si je deviens plus fort que ma maladie, ça sera grâce à vous ». Florence. Oui, alors Léon, c'est un petit bonhomme qui va avoir 10 ans le mois prochain. Ses parents, ses grands-parents et puis nous aussi, on le qualifie comme « petit rayon de soleil ». Il a, vous avez vu, ses cheveux là, tout bouclés, tout blonds. Malheureusement, cette particularité capillaire fait partie des symptômes d'une maladie génétique très très rare qui atteint la fibre nerveuse et qui s'appelle la neuropathie à axone géant. Aujourd'hui, il n'y a aucun traitement pour cette pathologie. Tout petit déjà, Léon a eu une croissance assez lente, il prenait pas de poids. À l'entrée en maternelle, les institutrices ont commencé à interpeller ses parents parce que elles ont observé un manque de force et puis beaucoup de chutes à répétition. C'est en fin de maternelle, donc Léon il avait à peu près 5 ans, quand il y a eu un diagnostic imprécis qui parlait de maladie neuromusculaire, mais laquelle, voilà partie de la famille pour 2 ans de combat. 2 ans d'errance de diagnostic pour en 2021 avoir ce diagnostic-là. Léon a un quotidien très très rythmé. Hein. Il fait 3 fois de kiné par semaine. Il a déjà été opéré des pieds. Ouais. Il raconte très très bien lui qu'il va aller tout le temps à l'hôpital pour. Il doit avoir une surveillance de proximité plus. Son plus grand regret du haut de ses 10 ans, et il en parle toujours avec le cœur un peu déchiré, c'est de ne pas pouvoir courir et jouer dans la cour avec ses copains comme il le souhaite. En revanche, parce que c'est un petit garçon qui est toujours positif, ouais. Il sait largement dire que l'essentiel c'est d'avoir de vrais amis. Voilà. C'est beau. C'est beau. Aujourd'hui, effectivement, hein, pour Léon et sa famille, il y a urgence, ouais. Pour stopper la maladie. Et puis de toute façon, Émilie et Alexandre, ses parents, eux, ils croient dur comme fer à la recherche. Donc, on va tous se mobiliser pour faire avancer les choses à leur côté. Et avec le soutien qu'apportent tous les donateurs et bénévoles du Téléthon, les partenaires également, les chercheurs, effectivement, avancent sur cette voie-là. Serge, comme pour Léon, de nombreux malades aujourd'hui sont en attente de traitement.
Et pour eux, il y a vraiment urgence. C'est pas un slogan, il y a une réelle urgence. Oui, ça fait partie de ces très très nombreuses maladies pour lesquelles malheureusement il n'y a pas de traitement et pour lesquelles s'il n'y avait pas le Téléthon, il n'y aurait même pas de recherche. Et la neuropathie axone géant, elle fait partie, un peu comme Crigler-Najjar, des maladies qu'on appelle ultra rares parce qu'il y a très très peu de cas. Documenté, il doit y avoir une cinquantaine de cas dans le monde. Alors il y en a probablement plus, hein, mais ça illustre quand même le fait que ça fait partie des maladies ultra rares. Et puis parmi les vrais amis de Léon, il y a Pascal Beaumont. Pascal Beaumont, c'est une chercheuse à Lyon qui travaille sur deux axes, à la fois sur la thérapie génique. Donc elle met au point un produit de thérapie génique qui va transporter le gène dans les cellules du système nerveux qui sont touchées dans la maladie. Et puis parallèlement, elle cherche à identifier des molécules, des médicaments, certains qui existent déjà, d'autres peut-être qui seront de nouvelles molécules, sur un modèle très particulier de larves de poisson zèbre. En fait, le poisson zèbre, c'est un poisson qu'on trouve dans les aquariums. Hein. Il a un avantage, il est transparent. Et les larves sont transparentes et on peut modéliser des maladies. Il y a des poissons zèbres qui peuvent être atteints dans un gène qui est tout à fait équivalent au gène en cause dans cette maladie. Et donc, elle peut tester plein de médicaments pour voir s'il y en a un qui pourrait changer le cours de la maladie chez le poisson zèbre et ultérieurement ensuite chez les enfants. Et donc ça fait partie de l'autre axe de son travail. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Et c'est tout l'objet des travaux de Pascal Beaumont, qui est la plus grande spécialiste dans le monde de cette pathologie. Et on le rappelle, hein, la majorité des maladies rares aujourd'hui n'ont pas de traitement. La majorité, l'immense majorité des plus de 8000 maladies rares n'ont malheureusement pas de traitement. On estime que 5% seulement de maladies ont un traitement. Donc on est très très loin du compte. Il y a encore plein de travail et on a besoin de vous pour pouvoir avancer dans ce travail. Merci Serge pour ce témoignage. On va désormais faire connaissance avec la dernière de ces quatre familles ambassadrices, avec cette affiche que vous découvrez avec Tony, qui est le papa de d'Ivy, dont la vie est un combat quotidien. Pascal, c'est toi qui vas nous présenter Ivy. De quoi est-elle atteinte? Eh bien justement, c'est là toute la question, parce que en fait, Ivy, qui est donc une petite fille de 4 ans et demi, bien depuis sa naissance, les médecins sont devant une impasse. Ils ne savent pas, ils ne trouvent pas de quoi est atteinte Ivy. Dès sa naissance, effectivement, les parents constatent qu'elle n'a pas beaucoup de force, qu'elle est un petit peu poupée de chiffon. 3 mois après, ils constatent qu'elle perd en motricité au niveau de ses pieds. Et puis son état, petit à petit, se dégrade sans qu'on arrive à comprendre le pourquoi. Alors évidemment, comme dans ces cas-là, on fait plein de recherches, on fait des examens, on fait des tests génétiques. Malheureusement, toujours rien. L'état de Ivy empire malheureusement. Elle doit être contrainte d'être trachéotomisée, donc de ne plus pouvoir respirer par elle-même, mais avec l'aide d'une machine. Elle est gastrostomisée aussi, elle doit être aidée pour pouvoir manger parce qu'elle n'a plus assez de force et ne se nourrit pas suffisamment pour pouvoir prendre du poids. Ça, c'est un gros passage dans la vie de la famille qui va vraiment bouleverser le quotidien de Tony et de son épouse Margot parce que, du coup, il faut avoir une surveillance quasi constante d'Ivy, de pouvoir intervenir si jamais elle a des besoins parce qu'il y a une urgence vitale. Elle ne tient pas sans ses appareils respiratoires. Ça sous-entend que, ils sont devenus tour à tour infirmiers, kinés, voire médecins parfois aussi. Ils sont les aidants naturels de Ivy et papa Tony, donc qu'on a choisi pour être sur une de nos affiches. Tony est devenu l'aidant officiel familial de sa petite fille. Donc il a quitté son travail pour s'occuper à plein temps de Ivy, ce qui est quand même un beau combat.
Et du coup, eh bien, les années passent. Ivy aujourd'hui donc à 4 ans et demi, on ne sait malheureusement toujours pas de quoi elle souffre. Et ça, c'est quand même vachement important, parce que, eh bien, les parents sont confrontés à cette évolution. Ça va être quoi demain? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être pire? Est-ce que ça va se stagner? Est-ce que demain, Ivy va pouvoir bénéficier d'un traitement? Parce que, bah, malheureusement, on le sait. Quand on ne connaît pas le nom d'une maladie, on ne peut pas savoir si un traitement peut être actif pour la maladie. Pour autant, bah, évidemment, comme vous le voyez souvent auprès de nos familles ambassadrices, bah, c'est un couple qui se bat, qui lâche rien. Mmh. Ça, c'est vraiment l'ADN de notre association, ouais. Au travers du combat des familles. Ils lâcheront rien parce que, eh bien, il faut que Ivy, elle poursuive son petit bonhomme de chemin, et que Ivy ait un avenir. Ben merci Pascal pour nous avoir raconté l'histoire d'Ivy. Serge, on l'a vu, hein, l'errance diagnostique, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un vrai parcours du combattant pour les familles. Que fait l'AFM pour lutter contre cela? Alors, l'errance diagnostique, c'est un problème qui était encore plus marqué dans le passé, mais qui est toujours très présent, puisque sur les plus de 8000 maladies génétiques, on grosso modo connaît à peu près la moitié d'entre elles le gène en cause, et 50% des malades atteints de maladies rares n'ont pas de diagnostic encore. Et même pour ceux pour lesquels les gènes sont connus, il peut arriver pour 25% d'entre eux que ce diagnostic prenne plus de 5 ans, au moins 5 ans. Donc ça, c'est effectivement un vrai parcours du combattant. Et pour essayer de résoudre cette question, alors historiquement, c'était ce qui avait amené d'ailleurs à la création de Généton. Hein. Les cartes du génome, ça avait permis d'accélérer la découverte des gènes. Maintenant, les technologies ont beaucoup évolué. Il y a des machines qu'on appelle des séquenceurs à haut débit, parce qu'il faut parfois chercher une aiguille dans une botte de foin. Notre code génétique, c'est plus de 3 milliards de lettres. Ça remplit une énorme bibliothèque, et il faut chercher la faute d'orthographe, la lettre qui n'est pas à sa place parfois, au milieu de tout ça. Et donc, c'est extrêmement complexe. Et il faut maintenant des machines, des séquenceurs à haut débit. On contribue à ça, à faire en sorte qu'on puisse séquencer un maximum de génomes. Et puis, il y a aussi maintenant l'intelligence artificielle. Alors, ça fait parfois peur aux gens, mais c'est aussi un outil qui peut être extrêmement utile. Et quand on combine l'intelligence artificielle avec ces technologies-là, on peut arriver aussi à accélérer la découverte de gènes. Donc c'est vers ce type de programme vers lesquels on s'oriente. Donc on l'a vu, hein, avec l'histoire d'Ivy et Léon, il y a des urgences. Avec Ibrahima et Kelly, il y a aussi des premières victoires qui arrivent. Il y a des défis. Et toi, Serge, tu as vécu toute cette révolution de l'intérieur. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu l'arrivée de ces victoires? Moi, déjà, depuis que je suis tout petit, je rêvais de trouver des médicaments pour les malades. Donc, j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Alors, évidemment, c'est très lourd, c'est aussi très technique. Mais on poursuit ce rêve-là, on le poursuit collectivement. Et quand on y arrive, puisqu'on voit ces thérapeutiques arriver, j'ai mesuré tout le temps parcouru, puisque au fond, le Téléthon m'a accompagné depuis le début. J'ai même connu l'association avant même le premier Téléthon. J'avais été financé par l'AFM en tant que chercheur pendant très longtemps. Et donc j'ai vu toute cette évolution. C'est enthousiasmant, moi-même je suis émerveillé par ça, alors qu'effectivement on le vit de l'intérieur. Je sais aussi tous les défis qui restent et toutes les difficultés à surmonter, mais le plus beau, quand des travaux aboutissent, quand on a même de loin contribué à ça, on peut être vraiment très très fier de ça, et c'est d'autant, on peut être d'autant plus fier
qu'on y arrive collectivement. Ce n'est pas tout seul que quelqu'un va trouver un médicament. C'est vraiment quelque chose de collectif. Et le Téléthon, c'est l'exemple même de la solidarité et de l'effort collectif. On peut en être très fiers, j'en suis fier. Et en même temps, il ne faut surtout pas baisser la garde parce qu'il y a plein d'autres défis devant nous, plein de maladies encore. Et on a vraiment, vraiment besoin de vous pour poursuivre ce combat. Et donc, je crois qu'on peut dire, Serge, que toi, comme les chercheurs, vous avez fait votre cet appel des familles, on ne lâche rien, hein, qu'elle nous distrait régulièrement. Et je pense que toi et les chercheurs qui t'entourent, ça fait partie aussi, tu l'incarnes. Ça fait partie aussi de l'ADN des chercheurs, de rien lâcher, de continuer et parfois d'aller sur des chemins que personne n'a exploré, justement parce que c'est peut-être là que ça se trouve, donc il faut continuer. Et puis même quand une expérience ne fonctionne pas ou quand un projet patine, il faut surtout pas lâcher parce qu'on sait que c'est long et difficile, le chemin est tortueux, c'est pas toujours, on n'a pas toujours le produit miracle comme ça sous la main. Et donc ça on l'apprend aussi avec le Téléthon et avec les familles parce que ça nous pousse. Hein. Moi, j'ai tous les jours, je pense à des enfants, des adultes, des familles. C'est ce qui me pousse. Hein. Donc, il faut pas abandonner. Et tu parlais de fierté, Serge. On a un petit best-of à vous proposer des victoires du Téléthon 2022. Et cette fierté, on peut aussi la partager avec les bénévoles, avec les donateurs, avec les partenaires du Téléthon, car ce sont eux aussi qui permettent à ces victoires d'exister. Jules, qui nous rejoint debout, et c'est ça qui est extrêmement émouvant. Lucie, elle a été sauvée, j'insiste sur ce mot, sauvée par un traitement, une injection de thérapie génique pour sa maladie. C'est une maladie qui était considérée comme totalement incurable. Et aujourd'hui, il y a 60 enfants en France qui ont reçu le même traitement que Lucie. Il y en a 2300 à travers le monde. Et je peux vous dire que c'est le fruit d'un effort collectif. Je pense que les donateurs peuvent être fiers du travail qui nous ont permis de faire. Je vous demande d'applaudir les chercheurs qui travaillent sur ces maladies génétiques. Les vrais, les bons. Oh, 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 oh. C'est sur eux que l'on compte. Ce sont eux qui sauvent des vies. Et ce sont des laboratoires de pointe qu'on nous envie dans le monde entier. On peut s'en enorgueillir. Je parle au nom des familles. Lorsqu'on leur annonce la maladie, la première chose, il n'y a pas de plan B, la première chose qu'elles font, c'est de se renseigner pour savoir quels sont les chercheurs qui vont être les trouveurs pour trouver des solutions dans leur pathologie. Ces gens-là se sont battus pour sauver notre fille. Aujourd'hui, c'est à nous de leur montrer qu'on va suivre le chemin aussi, qu'on va aider pour les autres familles aussi. Aujourd'hui, on a trouvé le traitement, la thérapie génique. Il faut qu'on la pousse pour qu'elle puisse être utilisée dans toutes les pathologies possibles, pour que tous les enfants qui sont dans l'attente aujourd'hui puissent trouver le chemin et être sauvés aussi. C'est une course contre la montre puisque Benjamin est en train de perdre la marche. Malheureusement, sa maladie va aller beaucoup plus loin que ça si on ne la stoppe pas à temps. Il y a urgence, c'est vital. Et le Téléthon est là pour ça, vous l'avez dit, ils se battent. Tout le monde se bat dans le même sens et c'est magnifique. Donc faut continuer, faut rien lâcher. Je voudrais remercier tous les gens qui sont ici et qui, en dehors des dons qu'ils font, des dons en argent, qui font un don d'eux-mêmes absolument extraordinaire. Le Téléthon, c'est de l'espoir pour faire avancer la recherche, mais c'est aussi l'énergie qui nous permet, nous, de charger les batteries sur un week-end pour pousser jusqu'à l'année qui suit. Comment tu trouves tes frères? Ouais, courageux comme à peu près tout le monde qu'il y a ici. C'est vrai, tu as raison. Ils se battent. Le message que je voudrais passer, c'est juste de les regarder tous les trois. Depuis le début du plateau, on court après Victor.
En fait, mon rêve le plus profond, c'est de pouvoir courir après mon fils toute ma vie. Eh bien, ça fait du bien de revoir ces images. Hein. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais on est fiers. On a passé un bon Téléthon 2022 et on a déjà hâte, c'est pas facile à dire, on a déjà hâte d'être au Téléthon 2023. Et en parlant du Téléthon 2023, je voulais partager une petite anecdote. J'ai la chance de m'occuper des réseaux sociaux de l'association et je suis exposé très régulièrement à une question qui revient toutes les semaines et pendant longtemps, c'est qui sera le parrain ou la marraine du Téléthon. Étonnant, hein? Eh bien, ce soir, on peut enfin répondre à cette question. Alors, certains l'ont déjà vu ce matin dans Télématin ou sur France Info ou dans vos médias préférés, mais on voulait aussi vous présenter le message que ce parrain, car oui, il s'agit d'un parrain, a tenu à vous adresser. On le regarde tout de suite. Salut tout le monde, l'AFM Téléthon, vous le savez, c'est cette association qui regroupe des malades et leurs familles, et puis des milliers de militants aussi, qui ont un objectif commun très clair, vaincre la maladie, vaincre les maladies rares. Cette année, j'ai l'honneur immense d'être parrain du Téléthon. Je serai donc à leur côté, j'y mettrai, croyez-le, toute ma passion, tout mon cœur. Et j'espère bien qu'on sera extrêmement nombreux à être à leur côté, à nourrir l'espoir de ces familles, de ces malades. Et comptez sur moi comme on compte sur vous. Eh bien, vous l'avez vu, c'est Vianney, le parrain du Téléthon 2023. Nous sommes très heureux de l'accueillir dans la grande famille du Téléthon, un parrain d'ores et déjà mobilisé qui viendra rencontrer les familles dans quelques semaines. Il viendra également rencontrer les équipes de chercheurs, visiter nos laboratoires. Et puis, il sera surtout sur les antennes de France Télévisions les 8 et 9 décembre, bien entendu. Nous allons désormais répondre aux questions que vous nous avez posées dans les commentaires. Et pour cela, je donne la parole à Cécile, qui est votre porte-parole ce soir. C'est à toi, chère Cécile. Eh bien, merci, cher Christophe. Alors, je suis un petit peu émue, tout de même, hein, en lisant le fil de cette conversation. Déjà, plus que des questions, énormément, plus d'une centaine de messages et énormément de messages de soutien et des merci. Alors, je ne résiste pas à la tentation de vous en glisser quelques-uns. Le Téléthon, ma famille depuis 34 ans pour Soso. Depuis le premier Téléthon, il a 36 ans. C'est intéressant de voir qu'il y a eu des avancées médicales majeures, incroyables. Ne lâchez rien. Bravo aux bénévoles, aux chercheurs. Bravo Serge, qui font un travail remarquable depuis des décennies. Et une très belle édition du Téléthon début décembre pour relever de nouveaux défis médicaux. Merci à l'AFM pour l'aide apportée à notre petite fille. On est tous derrière vous. On va se battre. Gros bisous à toutes ces chouettes personnes. Très émouvant, un message de Jennifer pour tout ce que fait et a fait l'AFM Téléthon, l'accès à un diagnostic génétique rapide, les consultations pluridisciplinaires, l'accompagnement administratif, l'espoir d'un traitement un jour pour mon fils. Merci. Serge Cordon, je crois qu'il est bénévole. Quelle motivation pour nous les bénévoles quand on voit les messages des familles, on se battra tant qu'on pourra. Les chercheurs, nos héros. Donc voilà, des messages qui pour nous sont... c'est un cadeau, donc merci pour le cadeau. Sinon, également, donc on a parlé des familles du Téléthon 2023 et on voit qu'il y a un vrai attachement hein, dans les participants à notre live qui connaissent bien les familles du Téléthon. Et donc, on nous demande des nouvelles d'anciens ambassadeurs, notamment Jeanne. Alors, je me tourne vers Pascal et Florence. Est-ce que vous avez des nouvelles de Jeanne et également, si vous pouvez enchaîner, des nouvelles de Benjamin pour une famille plus récemment ambassadrice? Tout à fait. Ben, alors, Jeanne, on a des nouvelles un petit peu éloignées, puisque Jeanne a fait le choix de se retirer de la vie publique il y a maintenant quelques années, puisque Jeanne est rentrée dans un couvent pour devenir sœur. Elle a été, je ne sais pas comment ça, on dit ça. Religieuse. Elle a été ordonnée religieuse, ouais. Je crois. Ouais. Voilà, et donc, tout à sa passion. Pour l'aide aux autres. Donc, les dernières nouvelles étaient plutôt bonnes.
Quant à Benjamin, bah, je crois que Serge, que tu as eu des nouvelles il n'y a pas très longtemps. Nous, on a eu des nouvelles de sa rentrée en sixième. Alors, c'est pas toujours évident hein, de faire sa rentrée en sixième quand on est un petit garçon avec une myopathie de Duchenne qui, malheureusement, a vu un petit peu ses forces décliner. Donc, y a pas mal de petits tracas, de solutions à trouver parce que voilà, il y a toujours des petites difficultés des os. Liés à l'administration, liés à des professionnels qui ne donnent pas tout ce qu'ils devraient donner. Mais on est avec un petit bonhomme, avec des parents qui aussi, eux, ne lâchent rien et qui sont persuadés qu'un jour, il pourra bénéficier d'un traitement possible. Alors oui, il avait expliqué au dernier Téléthon... qu'il ne pouvait pas bénéficier de la thérapie génique qu'on développait parce que il a précisément été testé positif au virus dont dérive le produit de thérapie génique. Et donc, on ne peut pas le lui administrer. Par ailleurs, il y a plusieurs programmes en parallèle de thérapie génique qui utilisent des transporteurs différents. Et on espère que dans un de ces autres programmes, il y en a 5 maintenant au total, dans un de ces autres programmes, il y aura l'un de ces vecteurs contre lequel il ne sera pas positif. Et à ce moment-là, il pourrait rentrer dans une étude qui porte sur l'administration de ce produit thérapeutique pour des malades atteints de myopathie de Duchenne dont la maladie a évolué, qui perdent la marche, et ce qui est le cas de Benjamin, sa maladie évolue. Et donc c'est une course contre la montre qui s'est enclenchée. À ce stade, je peux rien affirmer parce que c'est vraiment le hasard, c'est le pur hasard qui va permettre de nous dire il est négatif, il pourra être traité. Mais en tout cas, on ne lâche rien non plus pour lui, comme pour aucun autre malade. Et bien évidemment, Benjamin, il a une place un peu particulière parce qu'il était intervenu au Téléthon, mais son histoire, elle est très illustrative de problématiques qui se posent, même quand il y a des solutions possibles. Donc, j'espère, c'est le seul mot que je peux prononcer, c'est l'espoir que parmi les autres programmes, il y en aura un qui pourra être lui être adapté. Quoi. Voilà, et donc on se bat pour ça aussi. Et on l'embrasse, Nicolas, son papa est connecté sur le chat. Donc bon courage pour Nicolas, la rentrée, Benjamin. Nous allons bientôt venir déjeuner. Cécile. Donc justement sur la myopathie Duchenne également, donc un message, les avancées sont incroyables, merci aux chercheurs, aux donateurs bénévoles, je suis maman d'un enfant myopathe de Duchenne, merci, donc j'adresse directement les remerciements pour tout ce que vous faites pour les enfants. Et une question également, où en est la thérapie génique pour la myopathie de Duchenne, pour les enfants et également pour les personnes adultes, nous pose comme question Fabien. Alors c'est pour toi Serge. Oui. Donc parmi ces 5 programmes, il y en a 2 pour lesquels il y a actuellement des études qui portent sur des malades non ambulants. Et donc parmi eux, il peut y avoir des adultes. Alors on a de bonnes raisons de penser que plus on intervient tôt, mieux c'est. Mais par contre, il est important d'intervenir de toute façon parce qu'il faut préserver les muscles qui sont encore là. Il faut préserver le cœur qui est en jeu aussi très souvent dans la maladie. Et donc, ces études ont démarré. Et lorsque les produits vont arriver, seront de vrais médicaments qui seront proposés aux enfants, très vite, ils seront évidemment aussi proposés aux adultes ou à tous les malades, donc en fait. Et ça, c'est l'objectif, c'est notre objectif aussi. Personne ne doit être laissé sur le bord du chemin. Ça fait partie aussi de l'ADN de l'AFM, mais aussi des autres chercheurs dans le monde qui, souvent d'ailleurs avec le soutien de l'AFM, développent leurs recherches. C'est peut-être l'occasion aussi de rappeler que sur le site internet de l'AFM Téléthon, il y a une rubrique qui s'appelle « Vivre avec la maladie » dans laquelle vous pourrez retrouver les avancées de la recherche.
pour être tenu informé plusieurs fois par an sur l'avancée des programmes de la recherche. Et vous trouverez aussi, alors c'est valable pour la myopathie de Duchenne, mais pour d'autres pathologies, nos groupes d'intérêt, qui sont des groupes de personnes concernées par la maladie. Ils sont bénévoles et ils sont des patients experts, et ils pourront aussi vous donner de l'information sur les avancées de la recherche. N'hésitez pas à vous tourner aussi vers votre service régional. Absolument. Où des professionnels payés par les dons du Téléthon sont là aussi pour relayer vos questions et aller vous aider à chercher les réponses et les solutions. Très bon réflexe. Vous avez travaillé en service régional, toutes les deux. Je crois, oui. Voilà. Il y a quelques années. Donc vous maîtrisez ça sur le bout des doigts, l'accompagnement des familles. On l'avait vu aussi avec Christophe Divernet lors du live Rendre compte. Eh bien, on voit que nous avons là des grands experts de l'animation des communautés, puisque vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Effectivement, beaucoup de questions, il n'y a aucun souci, sur des pathologies particulières. Et effectivement, la chose à faire est ce qui vient d'être dit. Donc, c'est parfait pour moi, ça m'évitera de bafouiller. Une question, et on voit qu'il y en a qui suivent d'un téléthon à l'autre, sur les avancées, sur les tests à la naissance étendus à tout le territoire dans le cadre de l'amyotrophie spinale. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui. Où en est-on? C'est le programme d'EPISMA qui a été initié, enfin c'est à l'initiative de la FM Téléthon, oui. Hein, et avec le soutien tous azimuts de la FM Téléthon qui a pris place dans le Grand Est et en Nouvelle-Aquitaine. Dans les différents centres hospitaliers sont proposés systématiquement aux familles qui le souhaitent le test, la recherche génétique de mutations potentielles dans le gène responsable de l'amyotrophie spinale. Et à ce moment-là, si le test s'avérait positif, il y a la possibilité maintenant de proposer des traitements. Il y en a trois types de traitements, dont la thérapie génique, qui peuvent être proposés. Et l'objectif, c'est vraiment de gagner du temps, puisque là, on le sait, ça a été très bien documenté, il faut intervenir le plus tôt possible pour éviter que trop de dégâts soient faits dans la moelle épinière et qu'il y ait trop de neurones moteurs qui contrôlent les muscles qui aient été détruits. Et donc, il faut traiter le plus tôt possible. Et c'est l'objet de ce programme. Et à l'issue de cette étude, sera, en fonction des résultats, mais on les connaît les résultats, parce qu'il y a déjà d'autres études documentées qui le démontrent, hein, l'efficacité est meilleure quand on traite tout de suite après la naissance. C'est des malades qui ont pour la plupart un développement qui s'apparente à un développement d'un enfant non malade. Et donc, à l'issue de cette étude, l'État devra se positionner et ajouter l'amyotrophie spinale dans la liste des maladies que l'on dépiste à la naissance. Vous savez, c'est le petit test très simple où on fait une petite piqûre dans le talon du bébé tout de suite au moment de la naissance. Et puis les petites taches de sang sont envoyées dans des laboratoires qui vont réaliser un certain nombre de tests. Et on peut faire un test génétique recherchant le gène particulier. En fait, c'est assez simple, c'est un test PCR. Alors, tout le monde connaît le test PCR. Ah oui, ça, on l'a tous fait. On a très bien connu. Ouais. Voilà. Donc là, et c'était. On continue. Ben oui. Donc, c'est des tests PCR, les tests PCR pour détecter le virus du Covid. Là, c'est un test PCR pour détecter des mutations éventuelles dans un gène bien précis. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, évidemment, il n'y a aucune raison qu'on ne se positionne pas très vite au niveau de nos décideurs pour ajouter l'amyotrophie spinale dans la liste des maladies à détecter au moment de la naissance, dans le dépistage à la naissance. Et on l'a dit, hein, au travers de l'histoire d'Ibrahima, plus on dépiste tôt cette pathologie, plus on peut proposer un traitement et exactement. Plus la vie sera changée. Changée, exactement. Cécile.
Eh bien, le temps passe trop vite quand on s'amuse et j'ai donc encore énormément de questions, beaucoup de questions effectivement sur des pathologies particulières auxquelles nous ne pourrons malheureusement pas répondre ce soir. Également, beaucoup de questions dont une de Julien Marie que j'en profite pour saluer car il est fidèle à tous nos grands lives sur le potentiel de la thérapie génique sur laquelle malheureusement nous ne pourrons pas nous arrêter ce soir, mais néanmoins nous saluons Julien et nous essaierons de lui apporter un retour par d'autres biais. Et donc on va passer sur une dernière question qui porte plus sur la mobilisation de terrain. Nous avons eu deux messages, un de Côte-Bec les Hazelbeuf qui nous annonce qu'ils sont extrêmement fiers d'être ville ambassadrice, et une autre d'une association qui s'appelle l'association Mamarton et qui témoigne que la personne qui s'occupe de cette association témoigne que son fils en est le président et à tout juste 13 ans il se mobilise déjà et mobilise sa ville pour récolter des fonds afin de guérir tous les enfants atteints de maladies rares neuromusculaires et maladies rares en général. Alors deux questions en une. Déjà, qu'est-ce que c'est que ces villes ambassadrices, Christophe, et comment peut-on faire si soi-même on veut mobiliser sa ville, qu'elle soit ambassadrice ou non? Alors j'ai pas mal de réponses à apporter sur cette question. Tout le monde peut faire quelque chose pour le Téléthon et on va y venir dans un instant. On peut devenir organisateur d'une animation au profit du Téléthon dans sa ville. Aujourd'hui, il y a près d'une commune sur trois qui sont mobilisées, alors que l'on soit seul ou en groupe, au sein de son association, de son entreprise, de sa commune, on peut devenir organisateur au profit du Téléthon. Et pour l'avoir fait il y a quelques années, on prend vraiment beaucoup de plaisir à organiser les animations Téléthon. Toutes les infos sont sur le site téléthon2023.fr. On va vous montrer quelques images de ce site. Non, on va pas vous montrer quelques images de ce site, mais vous irez le voir par vous-même. On va vous mettre le lien dans le chat et vous aurez toutes les informations utiles pour devenir organisateur officiel du Téléthon. Quant aux villes ambassadrices, puisque ça fait partie de la question également, dans l'émission, donc sur France Télévisions, les 8 et 3 décembre, quatre villes seront mises à l'honneur. Elles sont finalement une vitrine aussi pour la mobilisation terrain, pour les 210 000 bénévoles qui se mobilisent chaque année, qui seront dans la rue, probablement dans le froid, début décembre, et qui auront le cœur rempli de chaleur en revanche. Et donc cette année, quatre villes ont été choisies dans différentes régions, aux quatre coins de la France. Côte-Bec, les Elbeuf, c'est dans le département du 76 Seine-Maritime, un département cher à notre présidente. Il y aura aussi Gujan-Mestras, c'est dans le département de la Gironde. Il y aura Clermont-l'Hérault dans le département de l'Hérault, comme son nom l'indique, c'était un quiz. Et puis Morestrel dans le 38, donc Isère, dans quelle région? La belle région Rhône-Alpes. Voilà, Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ces villes seront mises à l'honneur dans l'émission, mais bien entendu, une commune sur trois mobilisée, donc du Téléthon, il y en a partout près de chez vous. Et même si vous habitez auprès de Français de l'étranger qui organisent une animation Téléthon, vous aurez aussi du Téléthon près de chez vous. Donc, réflexe, téléthon2023.fr, vous saurez tout. Eh bien, Christophe, merci pour toutes ces informations. Je pense que nous arrivons à la fin de ce grand live. J'en profite personnellement pour remercier tous ceux qui m'ont tenu compagnie sur le chat. Et ils étaient, on est à près de 200. Hein, c'est incroyable. Il y a Lily, il y a Coco, il y a Pierre, il y a Michel, il y a Alice et j'en oublie. Merci à vous tous. Merci pour vos messages. Ils nous font chaud au cœur. On va être nombreux à relire ces commentaires après le live. Voilà. Et merci à vous qui l'avez animé. Christophe, c'est à toi de conclure. Avec plaisir. Et merci d'afficher vos messages de soutien aussi aux familles qui sont nombreuses à suivre ce direct et qui voient vos messages et à qui ça fait beaucoup de bien de se sentir soutenu. Ben, je vais vous remercier aussi
Florence, Pascal, Serge pour avoir participé à ce grand live, pour nous avoir fait un peu connaître les familles ambassadrices. On a encore plusieurs semaines d'ici le Téléthon, on fera de plus en plus connaissance avec elles. Et vous trouverez sur nos réseaux, bien entendu, de multiples webdocs, documentaires vous présentant leurs histoires, et vous apprendrez à les aimer comme nous on a appris à les aimer. On est aussi, je crois que c'est important de le dire, on est aussi très fiers, Florence et moi, d'accompagner ces familles, de les accompagner dans tout ce chemin vers le témoignage du jour J pendant l'émission du Téléthon, parce que c'est un engagement, c'est un acte militant que de témoigner aux côtés de l'association, de partager son histoire, ses attentes, ses espoirs, ses joies aussi, et que c'est pas toujours aisé. Et ce sont des familles qui ont accepté de nous suivre dans cette belle aventure pour participer et mettre la main à la pâte aussi pour que ce Téléthon soit une réussite. Alors merci à elles aussi. On parle bien du combat des familles. L'ADN de l'association. Serge, un dernier mot peut-être pour encourager nos amis à se mobiliser pour le Téléthon 2023 ? C'est le combat de tous. En fait, ça nous oblige, nous les chercheurs, ce que j'entends à la fois les familles et puis les bénévoles, tous ceux qui nous accompagnent et nous poussent dans nos retranchements du premier jour au dernier jour de l'année. Il y a eu en 30 ans des progrès énormes qui ont été réalisés et les victoires qui commencent à être engrangées. Et ces victoires, elles vont se multiplier. Mais pour qu'elles se multiplient, on a besoin de chacun d'entre vous, on a besoin de vous. C'est ensemble qu'on y arrive, c'est ensemble qu'on doit continuer ce combat. C'est un combat qui ne s'arrête pas, la maladie n'attend pas. Et puis les défis sont très 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 nombreux. Mais c'est pas l'énergie qui manque grâce à vous. Et maintenant, on a besoin de moyens pour continuer ce combat. Et le Téléthon est là aussi pour ça. C'est à la fois un lien social, un lien tout court, et un moteur essentiel de la recherche au profit des malades et au profit de chacun d'entre nous. Parce que ça bénéficie à plein d'autres maladies et en fait à chacun d'entre nous. Voilà, donc merci encore pour ce que vous faites. Pour les malades, pour nous, et on continue ce combat ensemble. Merci à toi, cher Serge. Vous l'avez compris, votre engagement aux côtés des malades, des familles, des chercheurs est essentiel. Et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer le combat de l'association pour changer la vie des malades. Vous avez le pouvoir d'agir pour en devenant acteur de cette mobilisation. On l'a évoqué il y a quelques instants, vous pouvez organiser une animation dans votre commune, au sein de votre association, de votre entreprise. Vous trouverez toutes les informations utiles sur téléthon2023.fr. Vous pouvez aussi agir sur le web en créant par exemple une page de collecte, en relayant nos messages, les histoires de nos familles via les réseaux sociaux. Toutes les infos sur téléthon2023.fr, vous l'avez compris, c'est la bonne adresse. Et puis, vous pouvez aussi vous mobiliser par votre don, que ce soit un don ponctuel pendant le Téléthon ou encore un don mensuel par le prélèvement automatique. Toutes les informations sont sur téléthon2023.fr. C'est vraiment une mine d'informations pour vous. Les familles et les malades comptent sur nous tous, donc sur vous aussi. Si les victoires remportées grâce à vous sont nombreuses, les succès de demain le seront tout autant. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et surtout un très bon Téléthon. Bonsoir.